Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité, ce soir, le président Idriss Déby Itno a formé son gouvernement, tout premier gouvernement de la nouvelle République désormais en vigueur au Tchad. Cette équipe peut-elle permettre d'atteindre les objectifs de rupture fixés par cette 4e République? Est-elle en adéquation avec les aspirations économiques et sociales exposées par le chef de l'État? C'est la question au cœur de notre premier débat. À suivre également l'Afrique de l'Ouest, l'un des principaux réservoirs mondiaux de pétrole et de gaz. La région détient le tiers des réserves du continent africain. Seulement, voilà, malgré la richesse de ce sous-sol, la région demeure l'une des moins développées au monde. Puis l'Afrique face au défi du numérique, l'accélération du passage au numérique, l'objet justement de la 4e édition du sommet sur le développement numérique en Afrique qui se poursuit ce mercredi à Kigali en présence de nombreux chefs d'État et de gouvernement. On en parlera dans la troisième partie de cette émission. Et pour débattre de ces actualités avec moi sur ce plateau, Monsieur Amadou Sylla, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes coordinateur de la diaspora des Sénégalais de France. À vos côtés, Monsieur Raphaël Elono, bonsoir. Bonsoir, madame, et merci pour votre invitation. Merci à vous, vous êtes écrivain. Et à mes côtés, Monsieur Jean-Marie Talley, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs. Vous êtes directeur général fiduciaire Fiscofin, également responsable du pôle économique du club Efficience. Place à l'actualité politique. Au Tchad, le nouveau gouvernement a donc officiellement pris ses fonctions. Premier gouvernement de la 4e République, un cabinet de 24 ministres et de 4 secrétaires d'État, sans premier ministre, une disposition de la nouvelle constitution, ce qui étend de facto les pouvoirs du chef de l'État avec la mise en place d'un régime présidentiel intégral. Mahamat Ramadan et Fanny Mounichi reviennent sur la composition de ce nouveau gouvernement. Au Tchad, la nouvelle équipe gouvernementale de la 4e République est connue depuis ce lundi 7 mai 2018. Elle est composée de 29 membres, dont 19 nouveaux entrants, pour 14 départs. Le départ remarqué est celui du ministre des Infrastructures, Adoum Younousmi, qui a vu son département confié à l'ancien secrétaire général de la présidence de la République, Jean-Bernard Padary. Pour certains experts, le nouveau gouvernement est plus technique que politique. La configuration de ce gouvernement me fait croire à la bonne volonté du président d'exécuter, n'est-ce pas, ce qu'il a promis. Il a promis mettre en place un gouvernement compétent, fait, n'est-ce pas, des hommes et des femmes talentueux. Et moi, je pense que c'est que l'équipe qui a été communiquée, publiée hier est une très bonne équipe parce que parmi les membres du gouvernement, je connais des gens de très grands talents et capables, n'est-ce pas, de relever les défis. La nouveauté du gouvernement de la 4e République est la création du poste du ministre conseiller à la présidence de la République. Il est confié à l'ancien président du présidium du Forum national inclusif, Nouradine Delwa Kassiré. Selon certains acteurs de la classe politique, cette nouvelle équipe qui aura la charge de mettre en œuvre les réformes institutionnelles de l'État n'a pas droit à l'erreur. Aujourd'hui, les gens sont là pour attendre. Les erreurs ne seront pas permises. Parce qu'aujourd'hui, si ce gouvernement travaille comme celui, le précédent, on aura fait une réforme pour absolument rien. Moi, je les encourage, je les exhorte à un travail bien fait qui puisse donner satisfaction à tout le monde. Donc, il faudrait qu'ils tiennent très haut le flambeau, n'est-ce pas, du renouveau que les Tchadiens ont recherché. Notons par ailleurs que plusieurs ministres ont gardé leur portefeuille. C'est le cas de Ahmad Mahamat Bachir de l'administration du territoire et de la sécurité publique, Djimet Arabi du département de la justice, ou encore Mahamat Zen Chérif du ministère des Affaires étrangères. Alors vendredi, à l'occasion de la promulgation de cette 4e République, le président Idriss Déby Itno avait martelé cette nécessité de rupture, de rompre avec les pratiques du passé. Trouvez-vous, Jean-Marie Talley, que ce nouveau gouvernement incarne véritablement cette volonté de pratiques nouvelles, de rupture?
Quand on parle de rupture en Afrique, ça fait surtout en Afrique centrale ou en Afrique subsaharienne, ça fait toujours un peu spécial et bizarre. On ne peut pas faire la rupture quand on a été là pendant le temps qu'on connaît. Quand on a été de la Troisième République, on est à la Quatrième. Pourquoi n'avoir pas fait la rupture avant? Bon, ça, c'est une question. Maintenant, ce qu'il dit et ce qu'il fait maintenant, c'est peut-être que ça peut venir, ça peut découler de ce qu'il est venu nous exposer ici au mois de septembre 2017. Il est venu chercher des fonds pour financer le plan national de développement. Il est venu avec un parterre de membres du gouvernement, donc, des ministres. À Paris. Hein. À Paris. Oui. Et ce qu'il est venu chercher, il paraît qu'il en avait obtenu 4 fois plus. Et donc à partir de ce moment-là, on peut se dire qu'il s'est aperçu que les personnes susceptibles de mettre en place de manière effective l'applicabilité ou l'application de tout ce qui est contenu dans ce plan national de développement, ce gouvernement n'était peut-être pas à la hauteur. Parce qu'il y a quand même eu ce jour-là ou à cette session-là, il y avait des reproches qui avaient été formulés à certains qui, semble-t-il, ne sont plus au gouvernement. Donc il peut s'avérer qu'aujourd'hui, pour exécuter, pour le mettre en place et pour exécuter véritablement, il y a eu des exigences et que derrière ces exigences-là, il faut une nouvelle équipe, il faut une nouvelle équipe. Souhaitons qu'elle soit dynamique, mais pas qu'elle soit simplement une équipe qui, avant même qu'elle soit déjà installée, est déjà comme ça applaudie. J'ai entendu l'analyste qui a dit des choses très intéressantes tout à l'heure, mais il faut se méfier, il ne faut pas flagorner en général. Il faut qu'on attrape aujourd'hui chacun au pied de l'œuvre. Alors, donc, c'est ça qui est absolument nécessaire. Un gouvernement plus resserré quand même que le précédent, Amadou Sylla, vous le trouvez-vous à la hauteur de cette volonté affichée par le président de la République de rompre avec les pratiques du passé? Le président Idriss Déby Itno qui a parlé ouvertement, hein, véritablement, de certains qui se sont enrichis, voilà, avec la corruption, etc. Il l'a dit très clairement. Est-ce que c'était qui vous la trouvez à la hauteur? Oui, alors moi je partage un tout petit peu la réflexion de mon co-débatteur. Je crois que c'est un peu regrettable, hein, parce que le président tchadien, il va faire bientôt 20 ans au pouvoir. Ça fait quand même très longtemps qu'il est au pouvoir qu'on le connaît. Absolument. Le Tchad souffre, le Tchad a beaucoup de difficultés et je crois que pour la bonne marche d'un pays, il est bon de renouveler. Absolument. Des fois, que les hommes aussi ne se considèrent pas comme étant des gens éternels, seuls capables de gérer un pays ou de gouverner. Bon, ça c'est un constat quand même qu'il faut faire et puis qui n'augure pas trop, en tout cas l'analyse qu'on peut, quelle que soit en tout cas la bonne intention du président, quel que soit tout ce qu'il va essayer en tout cas d'avancer comme argument pour en tout cas rassurer l'opinion, il y a des faits quand même qui font qu'on ne peut pas tout de suite avaler tout ça. Donc, mais cela dit, ça reste l'Afrique, hein, comme vous l'avez dit, et il faut s'y adapter, il faut quand même tenir compte de ces facteurs-là, qui quelque part aussi, c'est la faiblesse des partis d'opposition qui font que les pouvoirs en général se maintiennent comme ça. Mais je crois que le consensus qui semble en tout cas se dégager autour de ce programme au Tchad peut donner un peu d'espoir. On espère en tout cas qu'effectivement, avec peut-être la volonté des bailleurs derrière, en tout cas de toutes les parties prenantes aujourd'hui qui sont derrière pour que des réformes profondes soient mises en œuvre et que cette conscience-là aussi existe au niveau du président. Et je crois qu'on peut espérer effectivement que peut-être on arrivera à des résultats. Mais il faut constater que c'est quand même regrettable que c'est les mêmes personnes effectivement qui veulent faire la révolution, qui veulent tout faire. Et l'Afrique en a beaucoup. Et puis je pense qu'à des qualités, des hommes de qualité, des femmes de qualité, capables de prendre en main le destin de l'Afrique. Donc je crois qu'à ce niveau-là aussi, il faudrait que le dirigeant réfléchisse un tout petit peu. Raphaël Elouno. Oui. J'aimerais être habité par le même optimisme que l'analyste politique tchadien, sauf que, comme disaient mes deux copanélistes tout à l'heure, que ce monsieur-là, le président de la République tchadienne, ça fait plus de 20 ans qu'il est là et qu'il est là au pouvoir. Bon, maintenant, il nous présente une équipe. Il est prématuré de juger cette équipe-là. À croire cet expert, ce sont des gens hautement qualifiés,
comme on dit souvent, c'est des ouvriers. Ils sont hautement qualifiés et on peut leur mettre sur la tête la couronne de Messi. Ils vont venir sauver ce Tchad-là qui est déjà au bord du gouffre. Mais pour ma part, comme disait mon frère à côté, ça, avec l'Afrique, c'est toujours l'éternel recommencement. À chaque fois, c'est toujours les mêmes discours. On a entendu autre part les grandes ambitions. Après, c'était les grandes réalisations. Et quand on regarde les réalisations, on n'a jamais vu de grandes réalisations. Et au Tchad, aujourd'hui, on nous promet une équipe qui va sortir le Tchad de l'ornière. C'est ce qu'on attend, on attend voir. On va juger le maçon au pied du mur. Mais on remarque aussi que M. Ahmad Mahamad Bachir était sorti de ce gouvernement au mois de décembre. Le voilà qui revient par la porte de derrière, si on peut dire des choses comme ça. – Alors effectivement, on a d'anciens, revenants comme M. Kassiré Koumakoy, qui était ancien Premier ministre de 93 à 95, 2007 à 2008. Et puis là, il revient en tant que ministre d'État. – Bon, on assiste là à un véritable jeu de chaises musicales. Est-ce que lorsqu'ils sont sortis du gouvernement, on est allé leur effectuer un petit lavage de cerveau pour qu'ils deviennent des hommes nouveaux? Ça, je ne crois pas du tout. Et donc, comme je dis, il faut attendre, comme disent les Anglais, wait and see. Alors, effectivement, est-ce que, parler de rupture, mais vous l'avez dit tout à l'heure, ça n'implique pas le fait aussi de renouveler la classe politique? Surtout qu'on passe par une refonte de la Constitution, qu'est-ce qui est contenu dedans? Est-ce que c'est pour rester longtemps, encore plus longtemps? Et ceux qui sont partis, sortis du gouvernement, il y avait des motifs très clairs, donc c'était des prédateurs. Espérons que ceux qui arrivent, qui étaient déjà de l'ancien, des anciens gouvernements, ou ceux qui étaient avec ceux qui sont sortis du pouvoir aujourd'hui, ceux qui arrivent aux commandes, qu'ils ne soient pas de nouveaux prédateurs sur les grands chantiers que le Tchad a en cours aujourd'hui. Parce que là, c'est la vraie problématique, c'est que s'il s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a besoin de renouvellement, qu'il y a besoin d'innovation, qu'il y a besoin d'hommes neufs, d'hommes capables, mais ces hommes-là avaient toujours été, donc pour la plupart, où ceux qui arrivent aujourd'hui sont peut-être, entre guillemets, nouveaux, mais l'idéal, ce serait que les exigences qu'on pose pour qu'ils aient des actes à réaliser, qu'il y ait aussi en face des sanctions. Ça, par contre, les sanctions, on ne les a pas beaucoup vues, on ne les connaît pas encore. Il faut connaître les sanctions dès le départ. Et puis, n'oublions pas que ce sont ces mauvais systèmes-là qui maintiennent les dictateurs au pouvoir, puisque c'est lui qui a décidé de rénovation. Quand il arrive, il se heurte à un mur, là. Ces gens qui bénéficient de la manne républicaine et qui appartiennent au gouvernement, ils sentent que s'il y a renouvellement de pratiques, donc ils sont largement perdants. Et le président de la République, il est conscient de ça. Parce qu'il ne faut pas duper les gens. C'est ces mauvaises pratiques-là qui les maintiennent au pouvoir. Parce qu'ils sont leurs supporters inconditionnels. Inconditionnels. Tout à fait. Et qui vous combattent jusqu'à la dernière énergie pour qu'il n'y ait aucun changement. Et pendant ce temps, c'est le peuple qui pâtit. Donc il ne faut pas l'oublier. Et c'est ça le problème avec nous autres en Afrique. Amadou Sylla, vous voulez intervenir? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, il faut tenir compte quand même de l'environnement, parce que je ne sais pas trop, mais en écoutant un tout petit peu des analyses par-ci, par-là, je pense qu'il y a un objectif pour le président, en tout cas de la République du Tchad, de renforcer davantage ses pouvoirs. Donc, c'est-à-dire, tout part de lui, tout revient de lui. Donc, avec la suppression du poste de Premier ministre. Voilà, c'est ça. Donc, ce qui fait que, ne serait-ce qu'avec ça, on peut être dans le doute pour en tout cas s'attendre à des résultats extraordinaires, hein, parce qu'il n'y aura pas de miracle. Parce qu'aujourd'hui, pour booster le développement, pour faire avancer en tout cas les grandes lignes, il y a des facteurs à combiner. Est-ce que tous ces facteurs-là sont réunis malgré ce gouvernement qu'il met en place, qui est qualifié de gouvernement hautement qualifié? Malgré cela, mais je crois qu'il y a plusieurs facteurs au-delà de l'équipe qui font qu'on peut arriver à des résultats. Maintenant, je sais que la société civile, quelque part aussi… – Alors, vous croyez qu'il peut y avoir des résultats avec ce… – Alors, est-ce que… – Vous n'êtes pas, pas totalement sceptique. – Oui, après, on reste dans le discours avec ce qu'on voit, c'est-à-dire un peu ce qu'on voit, c'est vraiment un peu du maquillage. Mais la réalité des choses, est-ce que vraiment le peuple lui-même
Est-ce que les institutions, tout ça, tout le système et tous ces ingrédients qui auraient pu quand même créer une sorte de combinaison, aller vers une dynamique de développement, je ne sais pas si tous ces facteurs-là sont réunis. Ça, c'est une question que je me pose. Mais en écoutant un peu les analystes, divers analystes sur la question, je crois qu'il y a des questions quand même qui sont posées. Rien que par la suppression du poste de Premier ministre et que tout soit concentré sur le président, en termes d'organisation, en matière d'organisation, il faudrait que, déjà là, premier point, il faudrait qu'il évite d'avoir des nominations obscures. Tout doit être transparent. Parce qu'il ne peut pas être partout, il ne peut pas tout gérer. Donc il y a forcément des gens qu'il va devoir désigner autour de lui. Mais que ces gens-là soient clairement définis, soient clairement connus, et que chacun ait clairement des attributions. Et comme je dis, derrière, qu'il y ait des sanctions au cas où. Absolument. Donc il faut que les choses soient très claires. Très clair. Alors, le Tchad qui est quand même en très grande difficulté économique, avec un chômage qui s'enlise, il touche plus de la moitié quand même des 15-30 ans, une économie aussi peu diversifiée, plus de 70% des recettes de l'État proviennent du secteur pétrolier, et la crise de ces dernières années a véritablement aggravé cette crise qui était déjà présente. Également, de nombreux défis au niveau de l'éducation, de la santé. Compte tenu de ces défis à relever, Raphaël Lenoir, est-ce qu'il y avait urgence à réviser la Constitution? Oui, la maison Tchad était déjà en feu. Elle est déjà en feu, donc il fallait que les chasseurs, des sapeurs-pompiers interviennent pour éteindre ce feu-là. C'est pour cela, donc, que les regards se tournent vers ce nouveau gouvernement. Si, quelles idées ils vont apporter? Quelles solutions pour donc remédier à cette situation? Mais quand même, on a le sentiment que voilà, il suffit d'instaurer une nouvelle république pour que finalement tous les défis soient relevés voilà, en décrétant une nouvelle république. Ça, ce n'est qu'un sentiment et c'est pas pareil pour de ça ne se décrète pas. Ça ne se décrète pas. Ce n'est qu'un sentiment. Non, mais puis les modifications constitutionnelles souvent dans les pays africains, c'est vraiment une volonté politique. Ça n'a pas toujours de sens, les modifications constitutionnelle dans nos pays africains. On a l'impression qu'on oublie l'essentiel, on oublie ce qui est urgent et on oublie ce qui est important en général. On fait de la modification constitutionnelle très souvent pour faire de la politique politicienne. Et on s'aperçoit derrière tout ça que malheureusement, si on peut aller trop vite en besoin, on peut dire qu'en Afrique, la plupart de nos dirigeants ne sont pas de vrais politiciens. Ils ne font pas réellement de la politique de qualité telle qu'on l'entend. – Pas du tout. – Parce que la politique, c'est un métier. Ouais. Mais beaucoup ne l'ont pas compris comme ça. Beaucoup ont plus pris acte du fait que la politique, c'était la durée dans le siège, pas la construction. Et ça pose un problème énorme. Ouais, – Raphaël et puis, le président tchadien, il n'a pas inventé le fil à couper du beurre. Il s'inspire bien des modèles tels que celui de l'Union soviétique. Et n'allons même pas à l'Union soviétique. Regardons à côté, il a au Cameroun un modèle bien précis. Il a l'autre qui a cédé au pouvoir en Guinée équatoriale quand j'avais 18 ans. Voilà, j'ai 58 ans aujourd'hui. Bon, vous-même faites le calcul hein, et trouvez là où il y a l'erreur. Il a la famille Bongo qui est là à côté. Donc il a tous ces modèles-là et il n'a que 65 ans. Et il s'est dit, pourquoi je vais laisser le pouvoir maintenant? L'homme le plus souvent en Afrique, quand on regarde, les gens travaillent pour eux-mêmes. Et le peuple n'est qu'un luxe comme ça qu'ils prononcent dans leur discours politique. Et comme disait mon copanéliste, que ces gens-là, ce ne sont vraiment pas des professionnels de la politique. Non, non, ils ne maîtrisent pas encore. Eux, ce qu'ils font, c'est, comme on dit chez nous, de la sorcellerie. De la sorcellerie. Je partage, mais encore une fois, je pense qu'il faut l'inscrire dans le contexte africain. Ce contexte africain qui veut qu'effectivement l'élite qui gouverne depuis l'indépendance, depuis un certain nombre de temps, n'a pas été suffisamment formé, n'a pas été suffisamment, en tout cas, imprégné de la pratique politique, comme vous le dites, pour, en tout cas, être au service de l'intérêt général, au service, en tout cas, des grandes causes. Malheureusement, cette élite-là, cette génération, en tout cas, qu'incarne aujourd'hui ce président tchadien, c'est une génération encore qui est là. Il y a une partie de cette génération qui est là. Vous avez cité Paul Biya et tant d'autres. Et souhaitons que cette jeunesse qui accède au pouvoir en ce moment, qui sont d'une génération d'après l'indépendance, ne s'inscrivent pas. Alors le nouveau gouvernement n'est pas tout jeune hein, quand même. Hein. Oui, voilà, on a vu quand même la liste.
Voilà, ils ne sont pas de première jeunesse. Un tout dernier mot. Alors, on a vu que le texte autour donc, de cette constitution a cristallisé beaucoup d'inquiétudes. L'opposition, tout naturellement, mais aussi du côté de la société civile. On rappelle que la constitution a été votée à l'Assemblée et non par voie référendaire. Est-ce que cette 4e République n'a pas un problème au niveau de sa légitimité? Mais là, vous venez de dire exactement ce qui fera fragilise cette 4e République et ce qui crée donc le maximum de doutes. Et en même temps, ça dit déjà derrière aussi que nous n'avons pas d'opposition ou des oppositions de qualité, des oppositions qui ont réellement la volonté de construire. On a des oppositions qui sont plutôt des adhérents qu'autre chose, qui veulent adhérer au système ou qui veulent faire du pousse-toi là, je fais comme toi, je m'assois, je fais comme toi, sinon je ferai peut-être pire que toi. Or, ce ne sont pas ça. Quand on revient à la gestion, à la politique en réalité, ces oppositions, ou comme ceux qui sont au pouvoir et qui gouvernent, ne sont pas des vrais politiciens. Quand il y a la politique, il y a l'opérationnel sur le terrain. Il y a l'exécutif et ensuite il y a le législatif. Et ensuite il y a ceux-là qui gouvernent. Donc tous ceux qui sont là, ils devraient dissocier la politique réelle, l'analyse politique réelle, telle qu'on la voit à travers le monde entier, un peu partout dans le monde entier, et entre guillemets ce qu'ils ont appris à l'école. Et le fait de construire leur société, leur propre société. Mais chacun se bat pour sa place, chacun se bat pour ses intérêts, y compris ceux de l'opposition. Sinon, la réforme qui a été faite, qui a été votée à l'Assemblée, ne serait pas passée comme ça, de manière aussi simple, aussi aisée. Et c'est là la principale inquiétude. On aurait fait appel à un référendum populaire, on aurait su si éventuellement le peuple est d'accord, pour que ce qui le concerne soit continué de cette façon. Alors, il est à présent l'heure de marquer une courte pause. On revient dans quelques secondes pour la deuxième partie de cette émission. À tout de suite.